au jeu au centre. La passe à Richard Brunet. Brunet revient sur ses pas. Remet le disque en retrait à Nancy Smith. Smith qui passe à Beaulieu. Beaulieu à Katharina Moulatov. Moulatov qui passe à Chantal Croteau-Gagnon. Croteau-Gagnon qui est seul. Elle lance et c'est l'arrêt. Ah, on vient faire Pierre, on signale ici une infraction. Ouais, le tricolore qui devra se débrouiller à court d'un homme. Pardon? Je m'excuse, à court d'une femme. Ben, évidemment, Pierre, puisque la pénalité a été accordée à Marie-Chantal Poulin pour rudesse excessive. Absolument, absolument. Le jeu reprend. Sophie Saint-Jean qui balaie le disque. Comment? Elle balaie? Elle balaie pas, Pierre. Oh. Elle frappe le disque, mon Pierre. Excusez. Oui, oh, elle reprend le disque. Tricote bien. Excuse-moi. Elle ne tricote pas du tout. Elle monte bien la rondelle, Pierre. Oui. Oh, on aura droit à une attaque à 2-1. Contre une, elle lance et contre. Oh, Nicole Lessard a mal paru là-dessus, hein. Oh, verbe, mal paru. Mais mon macho, elle, la petite, est pas là pour faire une parade de mode, Pierre. On peut dire que la rondelle lui a facilement passé entre les deux jambes. Moi, je vais déraper les deux jambes, bien. Les jarretières, les jarrettes, les fémurs, les bas culottes, les les jambes, c'est correct. Fin de la deuxième période. Les Canadiens qui mènent 2-1 sur les Sabres de Buffalo. Alors, à l'entraque, nous recevons un joueur. Une joueuse. Une joueuse qui n'a pas peur de donner son 120%. Alors, le capitaine du Canadien. Marie-Chantal, ça va? Va. Bonjour, Marie-Chantal. Allô, Juliette? Mon petit bec, hier? Oh, ça goûte salé. Un match viril. Oh non, c'est pas si pire que ça. C'est bien, joue au hockey, là. C'est pas pire que passer à balayeuse. Quand même juste un petit peu plus fort d'un coin, c'est tout. Puis, c'est pas pire que faire la vaisselle. T'es souvent dans l'eau chaude, puis tu finis toujours par jeter les gants, tu sais? Alors, bonne chance pour la troisième, Marie-Chantal. Merci. J'espère juste que la partie finira pas trop tard. Moi, faut que je sois chez nous avant 11h, sinon la gardienne tombe en prolongation. Merci, Marie-Chantal. Après la pause, nous aurons un court reportage sur la première équipe féminine de football au Québec, la machine à coudre de Montréal.